pour ici, le sujet, eh bien, c'était le vin et la musique. Donc, il y a eu, ça s'est articulé donc, autour d'écoute, du son, en dehors des tableaux, évidemment, et des choses plus classiques, de présentations plus classiques. Il y a eu le son, l'image. Et donc, on a conçu trois cabinets d'écoute, assez complexes techniquement, puisqu'ils ont été remplis de laine acoustique pour éviter que les gens à l'extérieur de ces boîtes ne puissent entendre la musique à l'intérieur. Donc c'est une complexité technique. Et en fait, quand on rentre, c'est comme une grotte, puisque l'intérieur des murs et le sol est un peu est très sombre, de façon à ce qu'on perde un peu la notion de l'espace pour être vraiment sous l'influence de la musique et rien que ça. Voilà. Et les couleurs de l'exposition sont les couleurs justement du vin cette fois-ci, puisqu'il y a tous ces bordeaux, ces rouges, ces vins mûrs ou j'allais dire plus jeunes. Enfin, il y a toutes ces couleurs de la terre finalement, j'allais dire du mûrissement, du pourrissement, oui. Du sang séché, enfin quelque chose de. Voilà, c'est un peu tout ce camaïeu de couleurs. J'ai relevé ce défi d'abord parce que j'adore des sujets neufs, c'en était un, ça n'a jamais été traité dans une exposition, voire dans un musée. J'avais envie de faire quelque chose qui aille dans la profondeur historique, mais qui débouche sur des questionnements qui peuvent intéresser aujourd'hui un public nouveau. Et j'avais très envie qu'il y ait un mélange, là encore, d'œuvres d'art fortes, mais aussi d'œuvres plus inattendues, et on va voir que en fait c'était un sujet qui apporte beaucoup, par exemple sur les pratiques chansonnières du peuple. Je voulais à la fois des œuvres artistiquement frappantes, donc belles, par des artistes de premier plan, mais j'avais aussi envie que on voit des supports au questionnement compliqué qui est la coexistence de la musique et du vin. C'est pas le vin d'un côté, la musique de l'autre, c'est ensemble. Et très souvent, je me suis rendu compte que les prêteurs que je sollicitais me préparaient des présélections où il n'y avait que l'un ou l'autre. Et il était assez étonné que je veuille que sur le même document, on ait les deux aspects. Et on peut les avoir de manière différente. C'est pas la même chose si on a un tableau et si on a, par exemple, une chanson. L'idée était aussi de varier ces supports, c'est-à-dire d'avoir aussi bien des contenants à vin, des verres qui souvent ont une iconographie tout à fait explicite, d'avoir bien sûr des tableaux, mais aussi des estampes populaires. Et alors vous l'aurez compris, en fait ce qui me passionnait, c'était de toujours traverser les couches sociales, c'est-à-dire de ne pas me cantonner à un milieu et ne pas me cantonner non plus à une époque. Alors ça m'amène à parler en fait de ce qui est fascinant et passionnant quand on fait une exposition. Il y a à la fois les concepts, il y a après les objets qui vont les exprimer, qui vont incarner ces idées, et puis à un moment donné, on choisit le ou la scénographe. Et la scénographie, pour quelqu'un qui aime faire des expositions, c'est un moment clé, parce que ça va être une ambiance, ça va être une mise en valeur dans un espace en trois dimensions. Ça va essayer de tenter de faire parler ces objets, de les mettre en rapport. Et alors un des enjeux pour moi, puisque les expositions que j'aime faire, c'est autour de la musique, c'est comment la musique est présente. Alors il y a la musique qu'on peut regarder, bien sûr, la musique qu'on observe sur des objets. Il y a de très beaux instruments, très rares, et que les musées ne veulent pas prêter. Et nous en avons là quelques-uns de magnifiques qui nous viennent d'Allemagne, notamment. Et en fait, l'autre aspect, c'est que je voulais que la musique s'entende comme un objet en soi. Comme, oui, et que ça ne soit pas rajouté avec un bruit de fond permanent, et qu'on ne la consomme pas comme on la consomme dans notre vie urbaine et on peut dire, sur les ondes.
là, l'idée, c'était de proposer au public à la fois un sujet chronologiquement plus étendu et aussi une typologie d'objets un peu différente et de trouver le bon moyen de les mêler, ces objets-là, pour raconter cette histoire du vin et de la musique. Le vin et la musique, évidemment, c'était un sujet qui pour nous était assez évident parce que c'est une alliance qui paraît être scellée depuis toujours, hein, et on le montre bien dans l'exposition puisqu'on parle de l'antique et puis des résurgences donc à partir de la Renaissance jusqu'à la fin du 19e siècle, et de montrer comment les artistes se sont emparés de ce sujet, s'y sont intéressés à la fois dans la peinture mais aussi dans les arts décoratifs, dans la musique évidemment. C'était extrêmement important pour nous de pouvoir de permettre au public de découvrir en fait des médias, des médiums, des œuvres qu'ils ne connaissent pas, et de trouver le bon moyen de le faire.